À l'approche des législatives, toute autre polémique, dans le Var, cette fois, plusieurs facteurs refusent de distribuer des tracts du Front National. Pourtant, la Poste a passé un contrat en bonne et due forme avec la candidate locale du FN. Didier est l'un de ces facteurs. Ce qui le gêne, c'est que le tract en question n'est pas mis sous pli, il est apparent, noyé dans les publicités pour les supermarchés. Ce qui est gênant, je vais vous citer un exemple, c'est qu'il y a une collègue qui a commencé à les distribuer et qui s'est fait engueuler par des gens, voilà, parce qu'elle distribuait la publicité avec des tracts du Front National à la vue de tout le monde, voilà, et que la Poste favorisait la campagne du Front National. Dixit, les gens de la rue, hein, pas moi, d'accord. D'autre part, parce qu'on favorise un candidat au détriment des 16 qui sont sur la circonscription, la 8e circonscription du Var, voilà. C'est les seuls candidats, oui, pour qui on a distribué de la publicité. C'est pas possible, parce que en tant que postier, en tant que fonctionnaire, pour moi c'est immoral, voilà. En 23 ans de Poste, j'ai jamais distribué des tracts pareils. Didier avec Lionel Dian.